Hola tout le monde, c'est Coen, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre petit let's play sur mon île porcelaine, bienvenue à vous. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à le regarder pour avoir tout le contexte des risettes, etc. Actuellement, on a enfin trouvé notre petit aéroport, donc je suis bien contente. Si jamais l'aventure se passe en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, regardez. Il vous accueille encore une fois avec beaucoup d'entrain, donc n'hésitez pas à faire partie de cette team finalement. Si jamais il y a toujours la chaîne de rediffusion, vous pourrez voir les rediffusions une fois qu'elles seront publiées finalement. Et puis de notre côté, écoutez, je propose qu'on passe directement à la suite puisqu'on venait d'avoir l'aéroport et donc on va continuer la partie. Let's go. Vous avez encore une fois le chat juste au-dessus pour les lire de temps en temps si vous voulez. Et puis on va commencer par aller voir la mairie. Je pense qu'on a quand même une assez grande distance et je pense que je pourrais faire le truc que je voulais faire devant l'aéroport. Et vu qu'elle est un petit peu en décalé, je pense qu'on va avoir de quoi faire. Donc c'est vraiment cool. N'oubliez pas de regarder la première vidéo, évidemment, évidemment, évidemment. Ouais, j'adore les débuts de partie aussi. On va revoir notre pote Tom Nook. Je suis vraiment toujours en cosplay JDG. Écoutez, bah je suis le joueur du grenier aujourd'hui. Par contre, on a Jojo. Jojo, je le trouve trop bims. Donc je suis assez contente. Il est super beau l'aéroport. Il est super beau. J'apprécie. Tout le monde est là. Et puis Melo avec son petit drapeau. Il y a pas mal de vent là sur la carte là sur l'île. Le plus beau c'est le jaune ou le bleu. Ouais, je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. C'est vrai que le vert il est très fluorescent. Mais écoutez, pour la première fois, on le prend. On le prend. Ça change rien la couleur de l'aéroport, c'est juste question de matcher avec ton thème. Tu prends celui que tu veux en fonction de la couleur dont t'as envie quoi. J'ai besoin de récupérer ma tante, c'est ça? Tiens, poupée. Bah alors, Mélo, je savais pas que... Ah non, mais c'est vrai, je m'appelle comme ça. Je m'appelle poupée, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, si ça change pour les objets du Nookstop, c'est vrai, oui, maintenant vu comme ça, oui. T'as pas les mêmes objets. Enfin, t'as pas les mêmes couleurs, mais maintenant c'est un peu aux F-tiers dans le sens où on n'est plus vraiment intéressé par les objets du Nookstop parce que on a la possibilité de les changer de couleur avec Serge et ouais, l'île de Joe de manière très facile. Donc écoutez, je propose de poser ma tente sur la plage ici comme d'hab hein, pour pouvoir avoir la facilité de remodeler l'île à ma guise. On va faire ça pour l'instant. On va essayer de tout mettre sur les plages, etc. On va essayer de voir comment ça va être possible. Là, elle devrait pas déranger. On va demander la tente d'Aster, on va aller chercher la tente de Jojo. Heureusement qu'ils ont ajouté Serge en vrai au jeu parce que on peut personnaliser tout et n'importe quoi. Donc merci ma belle. J'en ai marre d'avoir Aster, je l'aime bien mais bon, sans plus quoi. Il est où l'autre? Il est là. Jojo il est mignon en vrai, regardez. Il est trop chou. Je sais pas quel type d'habitants on va prendre pour cette île. Je pensais prendre des habitants tout blancs. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on prend des habitants tout blancs, un peu en mode porcelaine, tu vois. Ou si on prend des habitants un peu Mimi. Fanny, j'avoue, de fou chez nous. J'avoue, Fanny, carrément. Elle est en mode tasse là. Enfin en mode tasse. En mode théière. T'as Fanny, j'avoue, il faut qu'on l'ait absolument. Notre petite mascotte. On va les mettre sur la plage ici. On va vraiment les serrer. On va les coller serrer. Bizarre, louche. Ici c'est parfait. Chai aussi, ouais chai j'avoue. De fou en vrai. Tout ce qui est un peu en rapport avec de la porcelaine et tout. Pourquoi pas, donc chai j'avoue vu que c'est un habitant Sanrio avec une petite tasse. Ça peut le faire, ça peut le faire. Quel est ton île préféré jusqu'ici? Bah écoute, j'ai adoré, alors j'ai adoré faire mon île Akomoun version Égypte moderne. J'ai adoré la faire et pendant longtemps c'était ma préférée. Mais j'aime beaucoup aussi Mirabel que j'ai fait assez récemment. C'est une de mes îles préférées et je pense que j'ai tellement passé un bon moment dessus. J'ai tellement aimé la vibe fleurie, etc. que je pense que Mirabel est mon île préférée. Mais j'ai énormément aimé Altea qui est mon île Palm Spring aussi. Donc je dirais entre les deux. Mais je pense que Coquette sera une de mes préférées et peut-être que Porcelaine va détrôner aussi les autres, hein. Qui sait. Je pense qu'au fur et à mesure, même si ça fait quand même 4 ans, j'apprends toujours des choses sur Animal Crossing. J'apprends toujours à détailler un peu plus, j'apprends à changer de mes habitudes, à faire des choses que je n'ai jamais faites, à prendre plus le temps. Donc je pense que mine de rien, maintenant, mes îles vont vraiment être de mieux en mieux au niveau qualitatif, tu vois. Donc je pense que ce sera toujours un peu mieux que les précédentes. Ouais, Mirabel, elle m'a fait un peu me réconcilier. Bon, pas avec le thème naturel pur et dur, mais avec l'aspect naturel que peut avoir certains sous-thèmes dans un thème, dans le sens où je vais pas faire un thème naturel là avec que des arbres, tu vois, c'est pas du tout la vibe. Je veux vraiment mettre ma patte dans un thème qui est plus naturel que de l'urbain parce qu'on veut pas d'urbain et on veut tester d'autres choses. Didi elle pourrait matcher, ouais, de fou. Mais en fait tous les habitants blancs, hein, je pense qu'on les fera venir dès que possible avec des cartes amiibo. Tomno qui fait qu'on lui parle ou pas, vous pensez? Ok, il récapitule, donc branche et tout, ok. On va récupérer les fruits aussi, donc on a quoi là on a dit? C'est les cerises. Je suis pas fan des cerises pour ce thème là, mais ok, on va faire avec. Pas de chasse? Bah pas vraiment, je pense pas pour l'instant. On pourra faire 2-3 petites chasses, mais on pourrait aussi avoir les habitants, tu vois. J'aime pas les cerises, enfin, dans le jeu. Ouais, en vrai, elles sont mimi, je trouve. Non, moi, je les aime bien. Je trouve qu'elles sont plutôt belles. En vrai, elles auraient été un petit peu plus foncées. Elles se seraient moins rapprochées de la couleur de la pomme. Ça aurait été un petit peu mieux. Mais pour autant, c'est pas genre, oh my god, c'est moche. Ça va, je trouve. Donc, ça va. Faut absolument que tu prennes Tony. Oh non, vite vu. Oh non, je veux pas. Je veux pas.
Pas Tony, il est trop moche. Il irait bien, mais non, il est trop moche. Bon, là, par contre, sur cette île, je vous avoue qu'on fera les navets. Hein. Je vous avoue qu'on fera les navets. Bon, on a globalement ce qu'il faut, mais je vais en prendre plus pour pouvoir crafter les trucs d'après. On va prendre un petit peu tout ce qui traîne. Grave Tony dans la vibe. Eww. Je l'aime pas. Je le hais, il est horrible. Ouais, il faudrait Fanny en first. Après, franchement, on a grave le temps pour les habitants. On n'est pas pressé. On peut tester de les faire en chasse à l'habitant. On pourra essayer si vous voulez. Ça me dérange pas du tout de faire des chasses à l'habitant. C'est vrai qu'on en fait rarement, vu qu'on a les habitants. Puis après, une fois qu'on les a, bah voilà, on les calcule plus. On pourra faire des chasses à l'habitant si vous voulez. Moi, ça me dérange pas du tout. Par contre, si jamais on galère et tout, ce sera carte amiibo. On a toujours la sécurité de la carte amiibo, quoi. On verra ce qui tombe avec le camping. Ok, je le garde s'il tombe avec le camping, Tony. Je le garderai coûte que coûte s'il tombe avec le camping. J'aimerais bien avoir Mathéo aussi, du coup, parce qu'il est blanc. Et là, Miss clique sur le nom. Non, imagine, je m'appelle Procelaine. Horrible. Non, bah attendez, je me concentre quand même. Pire-Solène, voilà, je me concentre, je me trompe. Porcelaine. Ça serait drôle, non, ce serait pas drôle, on devrait tout recommencer. Ce serait genre la honte. Ce serait tellement la honte. Porliane. Porliane. Ah, j'aime bien Caillou Paumé, elle avait raison, Aster, c'est super comme nom d'île. Super île porcinée. Imaginez Porcelaine, ça passait pas en longueur. Trop la honte. Il y a deux ailes à Porcelaine. C'est pas vrai, vous mentez. Non, vous mentez. Arrêtez, il y a pas deux ailes. Porcelain. Si, il troll. Arrêtez, vous me faites pas ça. Hein. Je vais vous bannir en fait. Et bah tant pis, elle aura... même s'il y en avait deux, il n'y en aura plus qu'un en fait. On a décidé qu'il y en avait plus qu'un. Je mens. Bande de menteurs. Imaginez. C'est pas grave. Ça aurait été trop la honte. C'est tout. Hein. Bon, Tom Nook. Petite fête avec les petites cerises. Tout ça, on connaît. Santé. Sinon, on aurait ban tous ceux qui remarquent l'erreur si et tout va bien. C'est vrai, t'as raison et vous, on peut faire ça. Je sais pas, Orion, j'aimerais bien le monter, le premier pour samedi et celui-ci pour la semaine d'après, etc. Donc on aura toujours un peu d'avance sur le let's play de Porcelaine, quitte à en sortir plusieurs par semaine en fonction d'eux. Faut que je vois, cette semaine je vais tester puis on verra bien. C'est esthétique avec un L, ouais, grave. Regardez-les. Et Jojo, il est trop mimes, je le trouve trop chou. Il est trop dans la vibe Kidcore. C'est vraiment l'hamster par excellence. Que Tom Nook m'appelle poupée, je vais hurler, hein. Regardez, il danse derrière. Il est trop mimes. Et là, je vais prendre feu à côté du feu comme ça. Apollon, il pourrait passer, ouais, j'avoue. On verra, on va essayer de prendre un habitant de chaque type de la couleur blanche, mais on va voir ce qu'on a. À tout moment, on n'a pas tout ce qu'il nous faut, donc... Ok, ah, elle est horrible en bleu. Ah, c'est vraiment pas terrible, hein. Je me permets. Lit de campinge. Eww. Rien ne va. Et c'est grave assorti à mon habit. On va allumer la radio. Et petit dodo. Allez, c'est une très belle maison. J'espère que ça vous plaît. Comme tes paupières sont lourdes. C'est si terrible. Ouais, on va essayer de trouver que des habitants blancs. On va voir ce qu'on a. Ou des habitants qui vont dans le thème. On verra bien en vrai. À force, on s'y perd. Mais non! Si vous suivez, vous vous y perdez pas. Si vous suivez. En vrai, si vous suivez activement la chaîne et que vous suivez les vidéos YouTube, vous vous y perdez pas. Hein. C'est juste vous qui êtes pas à jour. Hein. C'est pas de mon problème. Hein. C'est le vôtre. Hein. C'est pas mon dos. Non, ça me saoule pas tant que ça de recommencer à chaque fois. En fait, je sais que par la suite, on va avoir un peu de sous et tout. Là, j'avoue que faire deux débuts de partie très proches. Comme ça, bon, je pense que j'aurais pu avoir mieux, quoi. Mais globalement, j'ai justement retardé le début de Porcelaine pour pas que ce soit exactement pile poil en même temps que Coquette, pour pas avoir exactement les mêmes trucs à vous proposer. Parce que là, sur Coquette, on commence déjà un peu la déco, etc. Mais ouais, je voulais pas que ce soit en même temps, parce que bon, même pour moi, c'est chiant de refaire le début. C'est chiant parce que c'est long, quoi, le début. Quand tu le fais une fois en un mois, c'est bien. Bon, deux fois dans trois semaines, c'est bon, un peu chiant. Trois fois en trois semaines, parce qu'on a eu l'event où je l'ai refait encore une fois le début. Et on l'a fait pour le bingo. On l'a refait pour Coquette le jour d'après. Et là, on l'a refait pour Porcelaine. Donc, ça y va. Hein. Et bon, on fait ce qu'on peut. Hein, on fait ce qu'on peut. On va allumer Akumun. On va préparer les stacks de bois. On va préparer tout ce qu'il nous faut. Et puis voilà. Oh, il y a une Kohaïenne qui se connecte. Bah, Tom Nook, tu parles beaucoup. On connaît le début, t'inquiète. On connaît tout bien. Si je peux me permettre, Tom Nook, on connaît vraiment déjà tout. À partir de maintenant, le temps. Ok. Bah, merci au temps réel. Allez, Nintendo. Bah, ok. Allez, il faut qu'on ait 5000 miles. Ça va y aller, hein. Ça va y aller. De toute façon, il faut qu'on ait le deuxième jour de jeu, simplement, pour pouvoir jouer avec des amis. Donc, je peux ramener voilà, les trucs qu'il me faut, quoi. Mais attendez, parce qu'à tout moment, j'ai pas assez ce qu'il me faut. Je vais regarder ça. À tout moment, j'ai pas du tout ce qu'il faut, hein. Je serais bien dans le caca. Alors, attendez, je regarde. J'en ai des roses bleues, hein, purée. Qu'est-ce que j'ai comme truc? J'ai tellement de plans de craft. On va donner 4 stacks de bois de chaque. Ce sera déjà très bien. Des pierres, de l'argile, du fer. Combien j'en ai du fer? Oh my god. J'en ai du fer, hein. Et puis, je vais donner des poires aussi. Comme ça, on aura tout. Est-ce que j'en ai même des poires dans mon entrepôt? Je sais pas trop. Oui, j'en ai. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je me donne? Ah, je vais voir si j'ai pas la... Là, si je l'ai, parfait. Comme ça, je vais pouvoir me la donner direct aussi. La perruque à ruban, là. Et est-ce que j'ai pas une robe qui fait un petit peu dans la vibe
vibe que je cherche. Ah si, j'ai ça, la robe de servante. On peut prendre ça pour le début. On peut se prendre ça, ça me va. Je me fais toute une tenue là. Je pense que vous allez être contents. Bon, j'ai pris des ressources. Qu'est-ce qu'il faut au début du jeu? Il faut juste des ressources pour crafter, etc. Ah, venez, on regarde, on a quoi comme fleurs? On n'a pas regardé encore. Je vais regarder. Est-ce qu'on voit? Ah, j'ai des cosmos. Ew. On s'en serait bien passé, des cosmos en vrai. J'aime pas tant ces fleurs. On s'en serait bien passé. Non, j'ai pas cueilli de cosmos. Faudrait que j'y aille. L'échelle et la perche, ouais, j'ai pris des échelles, perche. Enfin, une échelle et une perche. Plus des échelles à poser comme on a fait sur Coquette. Et puis c'est tout, hein, en vrai. Ah, c'est l'avantage d'avoir plusieurs suites. Regardez le nombre de stacks de roses bleues que j'ai dans mon entrepôt sur Akumoon. Bah ouais, c'est trop pratique en vrai. Bon, en vrai, par contre, il faudrait que je... En fait, il faudrait que je tétais, hein. Comme ça, on va aller vraiment beaucoup plus vite. Et comme ça, je vais pouvoir venir déposer. Qu'est-ce qu'en vrai, j'ai pas... Venez, je me donne quand même un débarras. Dans tous les cas, là, on en aura besoin. Sur Coquette, j'ai dit, vraiment, je prenais le temps pour tout. Sur Porcelaine, je vais vraiment prendre le maximum parce qu'on a déjà fait tout ça. Je me dis que bon, bah voilà, on peut se permettre de passer tout ce moment-là, quoi. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Donc le débarras. Ah, un établi de craft aussi, peut-être. À la place d'en crafter un et nous embêter. C'est où les établis de craft dans l'entrepôt? J'ai tellement de champs de blé aussi. J'en ai plus des établis de craft. Je crois que j'en ai plus. C'est avant les poubelles, non? Ou après? Non, c'est après les poubelles, normalement. Je crois que j'en ai plus. C'est pas grave. Coucou Tom Nook! Bonjour à tous! Oh, désolé. Ils sont où les haut-parleurs, Tom Nook, là? C'est trop bizarre quand on voit ils nous parlent dans un haut-parleur comme ça. Allez. Purée, il fait tellement nuit en octobre. Il est quelle heure? Il est que 18h? Putain, je suis à l'heure dans ma suite, il fait nuit noire. 18h20 là, c'est terrible. Merci Maurice, il me fait vraiment tout un truc détaillé. Recevoir des visiteurs, aller voir quelqu'un ici. Je vais mettre en ligne, comme ça on va débloquer les trucs de meilleurs amis et tout, même si c'est pas vraiment hyper important. En ligne, en ligne. Merci Maurice. Ok Maurice. Merci Maurice. Merci Maurice. J'ai jamais lu les trucs là. Genre vraiment jamais, jamais. Connexion à internet. Et à tout moment j'ai plus internet. Bah si, je dois voir. Imaginez, ça met erreur en mode j'ai pas d'internet. Ok, c'est bon. C'était long, hein. D'accord, merci Maurice. Merci Maurice. Purée, il est long. Oh, le tuto du début JPP. Laisse mes amis venir. C'est super long, hein. Qu'est-ce que c'était long, ce moment. Oh, ma dégaine, je vais hurler de rire. Vraiment, le tuto du début, au secours. Par contre, j'ai pas pris d'outils autres que perche échelle, donc je vais devoir me débrouiller à crafter des trucs. Ça va, en vrai, franchement. Ah, j'ai pas pris de branches d'arbres. Après, les branches d'arbres, en vrai, ça va vite. Allez, ça décolle. Ça va venir, ça va poser les objets. Oh là là, quel titre resplendissant, bosseuse infatigable. Je peux tellement m'en vanter et vous dire, oui, regardez, j'ai terminé la 3000 chaînes de miles. Eh, franchement, je peux me la péter, hein. Je peux me la péter. Pour l'avoir, ce titre-là, il faut le faire, hein. Il est tellement rare. Mais tellement rare. Mais quoi comme objet? Bah là, juste des ressources pour faire le début rapidement. C'est pas besoin d'avoir à farmer le bois et tout ça. Parce que j'ai la flemme. Genre, tu sais, pour la boutique et tout. Je vais vous mettre comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je dépose. Alors, j'ai une bouture de feuillu. Bah, j'ai une pelle, tiens, hop, je me la donne. Bois. Je me donne 4 bois de chaque, 3 de pierre. J'ai dit là, ça, la période du début du jeu, ça, on s'en fout un peu. On accélère. En vrai, ça va. Il n'y a pas tant de choses. L'argile. Comme mon perso, il regarde les cailloux là par terre. Le fer, je m'en suis donné plein parce qu'on a des trucs à faire un peu longs. Les poires, les noix de coco. Ça, qui est la perruque là. L'échelle. Échelle en bois. Il y a tellement de trucs. Échelle en bois. Perche. Débarras. Poubelle. Et établi en fer. Ça dégage. Voilà. Alors, on a ça. On va s'habiller déjà dans un premier temps. C'est pas la tenue définitive du tout, mais ce sera déjà ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Ah oui, perruque à ruban. Les chaussettes! Mais rien ne va, là, du coup. C'est en fonction de la couleur de cheveux, le nœud, ou c'est juste comme ça? Ah non, il est juste comme ça, tout court, en fait. C'est trop moche. Bon, c'est ce qu'on a, ok? Attendez, on va poser nos affaires. On va prendre ça. Non, on va mettre tout ça à côté de ma baraque. Ma baraque. On va poser tous nos outils, là, à côté de la maison. Comme ça, on sait qu'on pourra revenir ici pour récupérer nos affaires. Établi en bois de fer, débarras et la poubelle juste là. Comme ça, ça veut dire qu'on va pouvoir ranger tous nos bazars. On peut apprendre ça. Ah bah non, MDR. On va ranger tout notre bazar. Tiens. Ah, je peux pas, j'ai pas ma maison. Super! Je suis so happy, happy, happy. Trop happy finalement. Bon, il faut absolument qu'on rembourse notre dette là. Parce que ça ne va pas du tout aller. Il faut qu'on rembourse notre maison. La maison, la petite maison. Alors, je propose qu'on aille placer tout ça. Et je pense que globalement, bah, il manquera un morceau, mais on pourra quand même y accéder avec l'échelle. Ça va être très bien. Allez, je vais cueillir les fleurs, comme ça je prêche
pré-shot un petit peu les crafts pour après. Je suis vraiment dans le pré-shotting, quoi. Là, c'est un petit peu vraiment beaucoup dans longtemps, quoi. C'est pas grave. Il fait trop beau aujourd'hui dans le jeu. C'est quoi, c'est une rouge? Non, une jaune. Imaginez ma pelle, elle casse là en 2-2. Ça m'étonnerait vraiment pas. Ce serait chiant, mais ça m'étonnerait pas. J'ai jamais mis cette perruque là. Elle me dégoûte un peu, je pense. On va aller faire les trucs classiques. Écrire sur le panneau d'affichage, ce genre de trucs. C'est où la mairie? Là-bas. On va photographier le perso. Tellement mignonne. Aller devant le panneau d'affichage. On va lui dire de dire slay. En même temps, c'est ce qu'elle sait faire uniquement. Elle sait uniquement slayer. Il nous faut 5000. Ok. Il nous faut 5000. Il nous faut 5000. Je vais poser ça là. On va se débarrasser un peu. Lâcher. On va déposer des trucs ici. Parce qu'on n'en a pas besoin. Sur ça. ça. Je balance tout par terre. Hein. On est en mode osef tiers là. Hop, lâcher. Ok, les mauvaises herbes, on va aller les vendre. Allez hop. La tête quand on est tri l'inventaire. Bon, les mims, non? T'aimes pas? Les mimi, hashtag slay. Il y a Jojo là-bas qui pêche. Il est trop mims. Hashtag mignon. On va faire les trucs de base. On va vraiment prendre les mauvaises herbes, les vendre, vendre des fruits. Des trucs bêtes comme ça. Vous savez, du truc du début du jeu, quoi. Tu trouves qu'elle est bête, là? La pauvre, elle est mignonne. Salut, Mélo. J'avais une chance sur deux d'être sur le bon. Quelle chance j'ai eu. Faudrait qu'on vende 100 mauvaises herbes. J'en ai combien? 44, c'est long. Oh là là. C'est vachement long, les mauvaises herbes à choper. Allez, on continue, en fait. On n'est pas productif, là. Objectif, c'est rembourser le prêt de ma maison. Mais là, faudrait trop que j'ai un filet. Faudrait trop que j'ai un petit filet, là, en fait. Je capte, là. Je pense que c'est pas mal, en vrai, un petit filet. Oh, Aster qui pêche. Avec mes claquettes, là. Je suis sûre, si elle court, elle les perd. Tu veux pas courir avec des claquettes? C'est dangereux. Plus que 3. Alors, je pense qu'on peut faire tellement de choses là. On peut même trouver la pierre à clochette et enterrer des clochettes. Mais j'ai peur de plus avoir assez de vie sur ma pelle parce que je pense qu'elle est pas neuve. Donc, on pourrait vendre ça. Mais d'ailleurs, en vrai, je vous ai dit quoi? Planter un arbre. Vendre les fruits. On va en planter 3. Ça me fera 3 fruits. Voyons. Donc, c'est. Ah, c'est 100. Oh, je pensais que ce serait 300. Là, ça, c'est 300. 200? 500 au moins. Oh, nul. Ça, faut que j'en vende 20. Donc, on va aller vendre 20 fruits. Je pensais que ce serait un minimum plus quoi. Je vais choper tout ce que je peux prendre en tant que petite cerise. C'est les cerises. J'en ai 8. Il m'en faut un peu plus. Soit je trouve ce qu'il me faut là, soit faut que je passe de l'autre côté. Normalement, on devrait avoir ce qu'il faut ici quand même. Et les mauvaises herbes, c'est 100. Donc normalement, je peux faire d'une pierre deux coups. Comme ça, on avance. Mais j'aurai pas autant, je pense. J'aurai 300 par mini-quête. Est-ce que prendre une photo, ça compte? Je crois que oui. Oui, ça compte. Ok. Ça, c'est 300 facile, je crois. Il va quand même pas falloir que je passe de l'autre côté. Ils sont trop radins sur les points. Hein. Ah oui, ouvrir son tel 10 fois. Ok. Je l'ai. Ouvrir le Nookphone 10 fois, c'est vrai, c'est accro à l'écran. On aurait dit juste une meuf un peu bizarre qui spam son tel. Ok, bon là on a assez. On va retourner, on va aller vendre le tout. Normalement ça nous fera pas mal de points et on va tout accepter en même temps. Et le faire 1000 fois, faut le faire 1000 fois après. C'est où la mairie? Je suis perdue hein. Je suis perdue sur cette île, je n'y suis pas encore habituée. Oui je crois, c'est tellement long. 1000 fois. Bonjour, c'est la première fois que je rentre ici. Bonjour poupée. Je sais pas mieux faire hein, qui m'appelle poupée. Et patati et patata de toute la journée. Bonjour hein. Je vais jeter un oeil. C'est sublime ce que tu vends. Ok. Salut poupée, t'as pas rêvé de moi? J'adorerais qu'il m'appelle comme ça. C'est faux. Achète-moi des trucs. Ok, on va lui vendre un peu tous nos trucs. Alors, on a les mauvaises herbes, les fruits. Donc, ceux-là. Et ce sera déjà pas mal. Ok. Merci, Mélie. Et là, on va récupérer pas mal de points, je pense. Alors, on a quoi? Mauvaises herbes. Ah, c'était 50. My bad. J'ai cru que c'était 100. Encore mieux. On pourrait faire encore plus facile les 200. 300. Il ne manque plus tellement, hein. Non, je crois que c'est une seule fois, hein, Nanouche. Regarde. Accro à l'écran. C'est que ça, non? Seconde main. Ok, on va faire les 100 autres. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour avoir des miles là? Il nous manque 1200 miles. Mais qu'est-ce qu'il nous manque comme truc qu'on peut faire? Vous vous rappelez ou pas ce qu'on avait fait? Les poissons et tout, non? Les insectes, ce genre de choses là, on peut faire. C'est quoi les cailloux? Ça fait quoi les cailloux? C'est quoi le truc? C'est taper sur un caillou, récolter? Ah, récolter du bois aussi, on pourrait faire. Ah, les miles coquillages, non, on n'a pas fait, c'est vrai. On pourrait ça aussi. Bon, on va le faire là, dans ce caillou là alors. Si on a les clochettes, c'est encore mieux. Alors, du bricolage aussi, ouais. Faudrait qu'on craft un filet, un truc comme ça. 500. Ok. Let's go. Vous m'avez dit quoi d'autre? Vous m'avez dit bricoler. On va aller faire un petit truc de bricolage. On va prendre un filet parce que là il y en a là les insectes là. C'est quoi Tom Nook ici? Tu peux me dire merci d'avance. Je vous dévoile mon tour secret, celui qui m'a valu ma place dans le cirque. Ah, il est superbe ce tour. Ok Tom Nook, normalement c'est bon. Tu peux t'évanouir avec les guêpes, c'est vrai aussi ouais. Mais je préférerais les capturer parce que ça vaut 2500. Bah ouais mais je voulais pas ça. J'aurais bien aimé le filet. Oh my god, elle existe avec le nœud blanc? Ah bah ouais carrément. Je savais pas qu'elle avait plusieurs couleurs en fait. Carrément, mais
Je vais regarder sur ma Switch à moi. Parce que j'ai pas d'amis sur celle-là. C'est la Switch de Lubi, donc y a que dalle dessus. Attends, je vais regarder. Peut-être que je l'ai en d'autres couleurs aussi. Moi, j'ai que en Bordeaux. Péricaneux. Je l'ai que en Bordeaux. Ouais, je l'ai que comme ça. Après, c'est Mimi, hein, cette teinte de couleur. Mais je savais pas qu'elle existait d'autres couleurs, tu vois. Perruque de drag queen. Ah, je pense que t'as raison. Et du coup, maintenant, j'ai une canne à pêche, mais je voulais un filet. Et... Bon, maintenant, j'ai pas mal de stock de branches. Là, on va faire un filet. Au travail. Ah non, je voulais les autres. C'est 5 outils. Allez, on fait ça. Alors, au travail. Bye. Filet. Toujours pas. Ah oui, ça. Les mauvaises herbes, et je pense qu'on a fini. Et qu'on sera bien. Oh my god, on est tellement proche. 86, hein, ouais. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Salut Mélie, je viens te vendre des mauvaises herbes. J'espère que tu vas apprécier. À ma juste valeur, évidemment. 1000, allez, j'accepte. Et normalement, c'est bon, là. Ça me coûte 500, non? Ah, voilà. Et là, on a les 5000, on va pouvoir lui rembourser et on sera bon. Salut Tom Nook. Alors, à propos de l'emprunt, j'ai essayé les 5000 miles. C'est trop long à faire les 5000 miles au début, mais au moins c'est fait. Et c'est un bon point. Mais du coup, ça y est, on a remboursé les fameux 5000 miles. Et c'est une bonne journée. Qu'est-ce qu'il va nous demander maintenant? Mais je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Je dois faire quoi? Et bien, la prochaine fois, on se concentrera sur ça, les poissons, les insectes, etc. On a remboursé le premier prêt et puis ce sera déjà très bien. Et voilà, c'est tout pour le petit épisode du Let's Play du jour. On fera la suite des quêtes de Tom Nook dans le prochain épisode. Évidemment, n'hésitez pas à suivre les conseils de ces braves gens qui vous disent de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant cet épisode de Let's Play et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bisous, bye tout le monde.